Alors, ça marche. Bonjour à toutes et toutes, hein. Je suis en train de me préparer. On démarre tout doux, on est le week-end. Ce que je peux faire, c'est carrément mute. Voilà. Comme ça, il n'y aura plus d'écho. Un bon gros dodo, moi j'avoue, j'ai dû dormir 10 heures sans déconner. Je suis réveillé depuis il y a moins d'une heure. Oh, alors, attendez, ça fait pas une présentation jolie jolie? Comme ça. Voilà. Alors, je sais pas si vous vous souvenez. À un moment, il y avait cette salle que j'ai passée très brièvement, puis je disais que c'était un bug. On passe en boucle. Puis ça m'a trotté dans la tête en semaine. Je me suis dit, mais c'est peut-être pas un bug. C'est peut-être, ça fait partie de la malédiction. Je sens que la musique va couvrir ma voix. Au début, je m'étais exprimé en disant, tiens, c'est idiot, c'est un bug. On revient au début des concours dans la salle là. Et puis après, ça m'a trotté dans la tête, je me suis dit, c'est peut-être une malédiction en fait. Égyptienne. Et c'était le cas en fait. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon embranchement à chaque fois que tu t'engages dans une nouvelle rangée. Donc ça, c'est bête, mais c'est un dédale. Et du genre, troisième ligne, faut prendre la huitième intersection, la suivante, la quatrième, etc., etc. Et au final, on débarque là. Alors, c'est pas véritablement la suite. Là, cette salle-là, c'est un bonus. Mais après, en errant comme un fantôme, là, bah, j'y ai pas mal joué hier soir, en fait, hors antenne, pour essayer de trouver la suite. Et en fait, j'ai trouvé une suite. Mais mon sentiment, c'est que j'ai peur d'être vite bloqué. Voilà. Bonjour Olive, qui es-tu? J'espère que tu vas bien. Je rappelle d'ailleurs que si l'interface est figée, c'est malheureusement normal parce que ce jeu est tellement vieux qu'il flingue ma, comment dire, ma configuration de prise d'antenne au niveau de mon montage vidéo. Faut pas s'en inquiéter. Moi j'arrive à vous lire, j'ai pris mes dispositions pour arriver à suivre le chat et ce que vous m'écrivez. Voilà. Moi ça va, j'ai fait un bon gros dodo. J'ai dormi, sans déconner, j'ai dû dormir 10 heures. J'ai lâché le pauvre fun fan rapidement hier soir au niveau de sa soirée spéciale catch. Non pas que ça m'intéresse pas, mais c'est que j'étais claqué. J'ai été rattrapé par ma fatigue de la semaine. Et je me suis réveillé il y a moins d'une heure. Donc là, sans déconner, j'ai dormi facilement 10 heures. Et je finis vraiment par m'effrayer parce que j'arrive sur la quarantaine. Et je deviens un ogre de sommeil. C'était pas mon cas avant. Mais maintenant, j'ai vraiment besoin de temps pour récupérer ça. Ouh. Enfin bon, bref. Pour le moment, c'est pas un problème, mais il faudra surtout pas pour on va dire mon niveau de santé, que je néglige mon temps de sommeil désormais. Voili, voili. Donc voilà. Alors il y a un passage secret là, enfin mur coulissant, si on veut. J'en ai trouvé un autre dans la maison. Vous savez, le grand manoir là où il y a plein de portes verrouillées. Et en fait, j'ai trouvé une connexion entre le beau salon où il y a l'horloge qu'on peut bidouiller et la chambre froide de la cuisine en fait. Il y a un panneau dans la chambre froide qui coulisse et on peut accéder au salon. Donc en vrai, j'ose pas imaginer, vous recevez des convives dans le grand salon. Vous faites le service en tant que cuistot en passant par la chambre froide. Je n'ose imaginer le choc thermique que vous provoquez pour les invités. Ils repartent tous avec la crève. Le truc con. Bah, oui, tu dis normal avec l'âge, Olive, de dormir un peu plus. Mais moi, j'ai fait un bon. Ah bah tiens, je suis passé en sens contraire là. Vous vous souvenez, je vous le fais un coup, regardez. Bon, voilà, ça tourne en boucle. Et en fait, c'est parce que j'ai pas pris la bonne intersection. La première ligne, elle compte pas. Mais la deuxième, elle compte, et ainsi de suite.
Voilà, c'était pour l'exemple. Habituellement, je dors 7 voire 8 heures de sommeil si je suis vraiment claqué. Et là, je passe quasiment de 8 heures à 10 heures. Ça fait peur. Mais j'ai envie de dire, c'est depuis la satanée pandémie, en fait. J'ai pris un coup de vieux avec la pandémie. Ça a complètement cassé mes habitudes. Avant, je marchais beaucoup pour aller bosser. Le matin, je me faisais cumuler au minimum 1 heure de marche. Et j'adore ça. Mais avec la pandémie, le télétravail, bah, je marche quasiment plus. Et c'est pas cool, je suis en train de devenir un pato là. Enfin voilà quoi. Je suis dans la cave à vin alors que je suis pas censé être là. Merde, c'est eux le truc que j'ai trouvé hier. En fait, il y a une... si vous vous souvenez, quand on prend la direction de la cuisine dans la grande demeure, il y a un moment, il y a des égouts. Après le coup de la chaudière, machin. Ah, c'est peut-être là. Et en fait, il y a un sou... Ah voilà, la chaudière. C'est ça que j'appelle la chaudière, parce qu'à un moment, on voit un truc de... Voilà. Et à un moment, on descend dans les égouts. Voilà. Sauf que les égouts, j'avais pas fait gaffe, mais il y a plusieurs sous-sols. Et j'ai fait 15 sous-sols où j'ai récupéré une clé. Il y a un autre sous-sol que j'ai pas fait, qui est plein d'ennemis. Alors là, j'ai fait, je les ai butés. Là j'avais trouvé une clé, mais j'avais complètement zappé que ça descendait encore. C'est vraiment un truc à la Diablo quoi, c'est le énième sous-sol. Bonjour Twinsen. Oh punaise, t'as pas beaucoup dormi parce que j'ai souvenir dans le... Je me suis réveillé avec la page de FunFan. Attends, c'est pas la bonne arme là. Avec la page de FunFan, et je crois que t'as laissé ton dernier message peu avant minuit. Ouais, je sais pas si le fusil à pépon est la meilleure arme. Ouais, le lance-flamme est vraiment une bonne idée ici. C'est pas le lance-flamme, mais il faut que je me neutralise. Ah, une petite orbe bleue pour la vie. Alors faut que je garde un oeil sur ce que vous me dites. Eh oui, bah je tiens mon pari, c'est-à-dire que je mets ma perruque de bon. J'avais dit quand vous me déverrouillez une coiffe, je le porte le jour même et je la porte intégralement le jour suivant. Enfin, le jour de direct suivant, évidemment. Donc du coup aujourd'hui vous allez me voir en blond. Mais je m'en plains pas pour le coup parce que du coup elle me tient chaud au crâne. Et c'est pas si désagréable que ça. De sec. Doit y avoir une suite, mais j'ai pas dû la trouver. Je pense pas que ce soit si petit que ça, le tout dernier sous-sol là. Il doit y avoir une suite, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui m'échappe. Ce serait par là-bas. Oh non, j'ai fait la boucle là. C'est vrai que niveau luminosité, c'est pas évident. Ah! Oh non, j'ai cru que c'était un nouveau carrefour. C'est bizarre ça. Non, ça va pas plus loin.
Mais c'est quoi? Non, c'est rien. Serais-je déjà perdu? Attendez, j'ai un doute avec mon téléviseur et le côté graphique. J'avoue que j'ai du mal à voir avec le contraste. J'ai mis quel mode de la dalle graphique? J'ai mis sport. Oh la vache. Attendez, dynamique, ça m'aide pas tant que ça. Naturel. Cinéma, c'est pas mal. Je vais rester en cinéma. Pour le jeu. Parce que à mon avis, après, je vais me flinguer les yeux. Ah oui, je vois mieux. Ouh! Plus de profondeur. Il n'y aurait que ça? Ah non! Je vais peut-être remettre la zig. Vers gauche, droite, droite, gauche. Merde. Ah, il y a un mode de collision. Il y a un bug de collision. Faut vraiment être sur la bordure de trottoir pour pas merder son tir. Sinon j'ai plus la portée du lance-flamme. C'est une arme redoutable, hein. Faut pas se voiler la face. J'ai déjà le fusil, je crois. Je suis au taquet. Attends, cul-tac, cul-tac? Ah ouais. Oh, la joie de déambuler dans les eaux usées. C'est dégueulasse. C'était pas la sortie, ça. Oh, c'est nouveau, ça. Oula, je suis tombé dans l'eau. Heureusement que c'est pas profond. Est-ce que je peux revenir? Non. Attendez, je suis bête, mais je vais sauvegarder parce que j'ai vachement progressé. On va peut-être remettre un peu la zic. Donc. Flippe un peu. Attends, sur la carte, on serait pas sur le... Ah, le temple d'Isis. Ouais, c'est un îlot à côté de l'île. C'est pour ça que ça explique le ciel. On a trouvé un passage souterrain par rapport à l'île principale. Mais comment je fais pour revenir sur lequel? Je suis tombé comme un con. Je crois que je suis dans la mise. Ah! Bon réflexe. Ça, c'est le temple d'Isis. Oh! Le vase. Il me faut ce vase. C'est le calme avant la tempête, là. Et là, j'ai pas la clé. Ah si, je l'ai. Alors c'est là où je peux sauvegarder. Mince, si j'ai un câble qui court dessus mon clavier,
La saisie va être difficile. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai mis mon pied sur la dalle, j'y ai pensé. Il va y avoir un truc à la... à la Tomb Raider. Hop hop oh! Bonjour Isis. Eh ben j'espère qu'il aime péter le feu. Oh la vache! Non, il n'y a pas un levier secret. Oh, popo. Non, c'est pas des portes. Voilà, je comprends pas. Je piche pas. Ou alors, est-ce qu'il faut que je feinte? Ah si, il y a un levier. Enfin, un interrupteur. Merde, faut que je me baisse? Comment je me baisse? Hein? Oh là! Alors, voilà, c'est tout cuit. Ah ça gêne. Ok, il y a encore les ténèbres, on va descendre. On va finir par trouver du pétrole, hein, à force de descendre. Oula, il y a un trou. C'est moi ou j'ai oublié d'en mettre la musique? Ah non, c'est qu'il n'y a pas de musique là. Ça m'étonne. Ils sont rares les passages sans musique. Merde, je viens de là. Putain, mais c'est stylé le mur en or. Il est gravé en plus. Très égyptien tout ça. Ouais 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 ouais. Pardon. Bon, il faut que j'attende que l'orbe disparaisse, voilà, parce que je rappelle les rouges, c'est des malus, alors que les bleus sont des bonus. Bon, Osis, là, il fait suer, là. Bon,
Va falloir que je descende dans les ténèbres. Il était où le 36e sous-sol là? Ah! Nouvelle musique. Comment ça, Elpami? Bah, Elpami. Attends. Je me méfie du comité d'accueil. Oh! Putain, je l'ai pas vu arriver lui. Qu'est-ce qu'elle me fait? Attends, y a trop de monde. Je peux pas faire là. Oh la vache! Comment qu'il me sauce lui? Ça c'est dégueulasse quand ils sont sur l'eau, j'ai pas l'air de les buter. Ah si, quand même. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Elle fait un truc très très vilain. Je crois qu'elle fait une incantation. Isis, wife of Osiris, daughter of Geb, and not hear my plea. Take the essence from my body and transfer it into these symbols. Just as the parts of Osiris were scattered throughout Egypt. Osiris traveled the Nile sealed in a chest. So goes my heart. Hear my words. Leap like a mouse running in the field of reeds. He who is Khepri at dawn, Ra at noon, Atum at nightfall. Ebe. Ah mais c'est une clé. Oh, j'ai trouvé une clé verte. Excellent. On va avancer aujourd'hui, je le sens. Voilà. On va dire cool. Cool, waouh. Allez. C'est la guerre. Oula, c'est trop la guerre là. Oula. Calmos la guerre. Arrête de faire ton crâne. Oh mon dieu, mais c'est pas mieux. Oh là là. Oh mon dieu, encore un crâneur. Quoi? Comment ça? Qui que quoi? Ah non, c'est quand j'ai pris la recharge de lance-flamme. Ils sont fous! Attends, faut que je m'installe bien. Oh, relax. Peut-être pas me mettre une patoune en guise de coussin. Hop. Ouh, je sais pas si vous me voyez bien. J'ai l'impression que j'ai décalé ma caméra. Attendez, peut-être un peu plus. Un petit peu. Ah. Pardon. Oh le beau cadeau. Alors le symbole Ankh, je rappelle que c'est l'arme la plus destructrice du jeu, donc je me suis pas encore fait usage. Je me demande si je vais pas la garder juste pour la toute fin si j'ai la nana en super boss égyptien. Parce que je présume, puisque j'ai pas essayé, que ça fait disparaître tous les ennemis à l'écran. Donc je sais pas ce que ça vaudra, mais. Du coup je les collectionne et à mon avis je vais tout balancer à la fin. Je serai tranquille. Poupoué.
Eh ben c'est vaste, hein. Non, c'est là d'où je viens où elle fait son incantation. Alors, si je suis les planches. Cochonnerie. Oh, mais c'est trop, c'est presque du gâchis du coup, parce que... Alors les orbes grosses jaunes, elles donnent 50% de vie. Mais là, pour moi, c'est presque trop, quoi. Donc, on va dire que je me la garde sous la main. Encore un comité d'accueil. On va peut-être sauvegarder. C'est pas interdit. Oula, avec la statue, ça fait flipper le Hanks avec la statue derrière. J'ai cru qu'il y avait pour le coup une véritable divinité égyptienne qui m'attendait. Quoi, je peux pas le prendre? Non, déconne pas. Oh, j'ai le nombre max. J'ai le nombre max de Danks. Bon, bah si ça tombe vraiment mal, je sais que je peux revenir ici. Enfin, c'est pas la porte d'à côté, mais bon. Comme ça. Ah, on n'est pas en face, ça veut pas, hein. C'est terrible. C'est terrible. Ah là 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 là. Ah tiens, j'en profite pour te remercier publiquement d'une scène des liens que tu m'envoies de temps à autre. Et le jeu qui est soi-disant culte là, qui est basé sur l'Égypte, je le connais pas en fait. Donc c'est bien qu'ils le remettent au goût du jour. J'ai tout fait. Je crois. Hein. Je crois que j'ai tout fait. Attends, tout au bout, c'était quoi? Mais non, j'ai pas tout fait. Ça y est, du coup, je suis pas fermé. Non, 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 j'ai pas tout fait. Oh là. Oh, ce dédale. Non, là, c'est bon. Oh, le boxon. Ah, sur moi, faut pas aller dans l'eau quand même. Attendez, je sauvegardais. Plouf. Oh. Non, c'est pour suggérer que c'est une faille d'où vient l'eau, mais on peut pas y aller. Ah! Ah! C'est l'or, mon cadeau. Bon. Eh ben c'est cool. On a gagné une clé. Par contre le vase. Attends, c'est vrai que j'ai pas récupéré le vase qu'on a vu au début quand j'ai marché sur le la dalle. Je suis peut-être maudit du coup. Parce que je rappelle qu'il faut se barrer de l'île avec tous les vases. Sinon t'es sous le joug d'une malédiction. Je pensais que j'allais retrouver un niveau inférieur, le vase. Mais non. Oh oh.
C'était ça pour le vase. C'était un pli de ce genre. Attends, le pompe n'y est pas. J'ai vu le vase, mais j'ai pas pu le choper. Ouais, vas-y, qui est de retour. Ah merde. Ah oui, le coup du vase. Je suis condamné à plus avoir le vase? C'est dégueulasse. Ne me dis pas que je vais devoir recharger juste avant que le vase se barre. Attends, je dois avoir accès au vase, non? C'est en train de me rendre fou. La clé, c'est cool. Mais le vase est tout aussi important. Oui, bon lurk, Olive. Bon week-end à toi. Puis tu bosses aujourd'hui, on est samedi. Bon courage. Ouais, tu vas prendre ton service vers les 11h, 11h30 là. Je sens que je vais devoir recharger ma partie. Ne pas marcher sur la dalle. Pour avoir le vase et reprendre le carnage. Et récupérer la clé. Non. Attends, je vais quand même voir s'il n'y a pas un lien. Entre le 36e dessous et... Oh. Oh, oh, oh. Ah ouais, tu prends un peu plus tard. Ok. Ouais. Donnez-moi le vase, sinon je suis damné. Je ne veux point être damné. Je veux le vase. Dosis. Ah bah. Ah bah, heureusement que je suis revenu. Ah bah là, le vase. Vase sacré. Oh oh. A tout de suite le vase. Le vase sacré. Ah ah. Oui. Ouf. On progresse. C'est ça. Non. Me méfie hein, s'il y a un truc qui se pousse. Ça fait sale du jugement. Alors, un vase, une clé. Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Que demander de plus? Je sais plus où est la sortie avec ce foutoir. Non, c'était pas là. Ah, c'était là. Alors le chemin du retour va être long. Parce que je vous rappelle qu'on est sur l'îlot. On voit en violet là, sur la carte en haut. Le temple d'Isis, c'est un îlot. Faut que je retourne dans les profondeurs de l'île avant de remonter à la surface. C'est la folie. La la la, les joies d'être dans un dédale. Voilà. Point, point, point. Ah ah, il n'y a plus de vase. J'ai gagné. Sympa le petit coin de verdure. L'îlot de la paix, qui doit être bien exposé au vent d'ailleurs, en plein océan. Bon.
Alors, les quais. Voilà, là je vais tenter de rester sur les quais. Oh la vache. Là la grotte, toi. Pardon. Oui, oui, oui. Alors. Les égouts. Ouais, le réseau des eaux usées. Ça fait envie. M'en parle pas. Merde, je peux même plus passer. Ah! Mais passe! Pardon si je fais très sauter l'image, mais j'essaie de sauter et de m'abaisser en même temps. Voilà. Un saut accroupi, un truc terrible. Oh! Attends, mais je suis pas allé par là. Ne me dis pas qu'il y a une suite. Oh bordel. C'est la guerre. Waouh. J'ai obligé d'entendre. Oups. Oups, oups, oups. Je suis pris en étau. La vie. Hein, pour le coup, une orbe dorée serait la bonne. Oh. C'est bon ça. Belle combinaison d'orbe bleue. Ça m'a permis de leur faire une santé, on peut le dire. Le retour du lance-flamme. Laissez-moi vous allumer. Si on découvre encore un autre sous-sol, je deviens fou. Et j'ai deviens fou. Son cadeau que je ne peux plus prendre puisque j'en ai le maximum. Attends, je sauvegarde régulièrement parce que je voudrais pas perdre ma progression en fait. S'il y a un crash ou je sais pas quoi. Ouais, vraiment ambitieux le jeu. Hein. Pour l'époque, le jeu était bien, et si je vous ai bien compris, c'est la console, la 3DO, qui était merdique. La console aurait pas été nulle de conception. Le jeu aurait vraiment pu avoir son succès, quoi. Parce que si j'avais pas farfouillé sur Steam le mois dernier, et que j'avais pas tapé délibérément FPS rétro dans la base de données, je l'aurais jamais trouvé. Hein. Je savais pas qu'il existait le Killing Time. Et j'aurais eu ça quand j'étais ado, jeune adulte, à la vingtaine. Mais j'y aurais adoré y consacrer un été entier à y jouer.
faire ma petite partie le soir, nuit d'été, dans l'ambiance, trop bien. La chaleur, évidemment, en rappelant l'Égypte. Les Pharaons. Ça aurait été trop bien. Ah! J'ai pas tout fait. Wow! Évidemment, je suis pris en sandwich. Cochonnerie, mais. Hop, et tout ça pour ça. Y a pas une énième vanne des développeurs. Tu peux pas me tuer parce que je suis trop beau, là. C'était rigolo, ça. Oh, oh, oh. Du coup, je veux bien l'herbe dorée, là. Oh là là. Là, ils sont morts. Non, je crois que j'ai tout fait. Sauf erreur de ma part, j'ai fait tous les égouts là. Mais je vais pas me plaindre. Hein. J'ai un vase, une clé. Donc je progresse. Je me demande d'ailleurs si la clé verte que j'ai chopée, c'est pas celle qui déverrouille la, j'allais dire la véranda. C'est pas le bon terme. La, comment on appelle ça? La serre dehors. Dans les jardins là, de l'île. L'arboretum. Voilà, c'est le terme que je cherchais. J'ai vu un truc bouger ou c'est moi? Je deviens un fou. Je deviens un fou. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Retrouver la sortie. Non, là c'est pour aller sur l'île. C'est la grotte ça. Non, c'est la grotte ça, ça va pas. C'est pas la bonne sortie. Là, je reviens au temple d'Isis sur la... Merde, hein, y a la merche à la con. Voilà, avec l'îlot. C'est donc pas là. Ah, ah, ah. Quelque chose me dit que je progresse vachement bien. Oh, bien. Ah merde, plus de sac. J'ai cru que je faisais plus de cul-de-sac là, c'était classe. C'était classe. Elle est où la sortie? Ah. Ah, on remonte. C'est bon. Tac, tac, tac. En fait, il y a une clé par... par sous-sol. La vache. Je comprends pourquoi la cuisine, elle est aussi balèze avec un tel carnage. Souvenez-vous? On s'était retrouvé coincé avec un manque de munitions pour moi. Tellement que j'avais défouraillé dans les... On va dire les sous-bassements du manoir. Et voilà pourquoi. Parce qu'il y a plein de trucs en, dans les sous-sols de l'île. L'île est creuse en plus. Au secours. Où est le chemin? Ah. Ah non, je suis revenu au début là, ça va pas. Ou alors c'est par là peut-être. Non, cul-de-sac. Je n'ai pas fait usage de cocktail Molotov, donc j'ai pas ramassé de bouteille. Ah, là peut-être. Oui. Oui! On progresse. On progresse avec la musique folle. Oui! Oh, on va sortir. Non, c'est pas par là. Je veux sortir d'ici. Au secours. Les gens, ils sont fous.
Je suis en joie. Je vais sortir de là. Ah oui, tiens, on n'en a pas parlé de ça. Vous avez remarqué, j'ai pris le temps de l'observer hier. Ça fait un cadran avec 10 cercles de couleurs, comme le nombre de clés. Je pense que c'est la toute fin, c'est la porte là. Une fois que j'ai toutes les clés réunies, c'est la guerre. C'est la guerre contre la vilaine qui a semé la malédiction dans l'île avec l'Égypte là. Oui! Oui! Le manoir. Oh, c'est beau. Ne me dis pas que la suite est là. Si? Ah! La suite est là. On sauvegarde. Ah là là. Quelle aventure! Quelle aventure! Aventure! Oh. Aïe! Merde, j'ai la patoune qui a glissé derrière moi. Ah. Oh, nouvelle musique. J'ai pas envie, dans des couloirs aussi exigus, de faire usage d'un lance-flamme. Square en Italie là, avec une musique comme ça. La musique de la mafia, c'est la musique de pas là. Non, je m'en souviens pas de la musique là. Je rappelle que j'ai écouté l'album. Hein. Il y a 20 pistes. J'aime bien écouter, mais ça va pas marquer la musique là. Ah! Ce rire de sadique. Toi-même, qui rira bien, qui rira le dernier. Ils sont 650 millions. Franchement, elle est bien la musique. Elle est très bien travaillée. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Si vous avez un avis à émettre, n'hésitez pas. Mais la musique est cool. Là, je n'ose même plus bouger parce que je veux pas choper l'orbe, qui est un malus. Oh. Oh.
Attends, je vais retourner au poudou 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 pou. Ah, il y a un... Quoi? Qu'est-ce que c'est? On se croirait dans Tomb Raider, là. Pour le... Ok. Franchement, ça fait Tomb Raider, là. Mais où est Lara Croft? Et là, un boulet. Mais lui, il est sorti, lui. Oh, merde. Le moindre recoin ne doit être... Oh, oh. J'ai dû tout couper. C'est vrai en plus. C'est horrible. Oh oh. C'est quoi ça? Pas une porte ça? Y'a pas une porte. Bah alors? Oh. Ah! Putain, j'ai cru qu'il me refusait la manipulation. Tiens, il y a une porte. Ça y est, j'ai l'air en tête. Bim, 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 bim. Oh, le bordel et le boucan. Voilà, je voulais te dire tout ça en même temps. La 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 la. Bon, je sauvegarde parce que c'est un truc de fou. Je retire mes patins, moi, excusez-moi. Attendez, je m'installe différemment là. Oh vache, il est déjà 10 h. Oh, temps passe trop vite. Peut-être plus besoin de la patoune là. Alors, ah bah voilà, et un peu gay. Oh, c'est gentil, mais c'est un beau gâchis. Je l'ai prise parce que je pensais qu'il y avait peut-être un levier derrière. Mais dommage, c'est un beau gâchis. Il rira bien, qui rira le dernier. Oh oh, une porte. Merde, je l'ai pas. Orange. Ah les salauds. Ah, je suis dans les flammes de l'enfer. Au secours. Ouh là là. Je sors comment des flammes de l'enfer? Poudou 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 pou. Poudou poudou pou. On aurait dit une porte, mais non. Ah. Oh. What? Attends. Ah, je suis à l'autre bout du truc? Non, on déconne pas. Ah oui. Voilà. Alors j'ai très peu de vie, je suis dans la... Oui.
l'enfer. C'est l'enfer. Vache. Punaise. Oh non. Faut aller en enfer. Il faut avoir le flingue approprié en fait. Ah merde! On fait tomber. Évidemment, j'ai pris d'orbe malus, sinon c'est pas drôle. Le défi est relevé. Bonjour SDR, j'espère que tu vas bien. J'ai envie de dire très bonne première partie, je vais sauvegarder là parce que c'est la première fois que je sors d'ici avec autant de points de vie. Oui, moi ça va, merci, j'ai dormi 10 heures. J'ai lâché tôt le pauvre Fun Fan hier avec sa soirée catch. Je me suis vite endormi. Non pas que c'était pas intéressant, mais que j'étais crevé. Et voilà quoi. Donc du coup là je suis en bonne forme. J'ai pris l'antenne il y a une heure et ce matin à mon avis on va faire que du Killy Team. Du Killy Team. Killy Time. Oui je m'en sors. C'est-à-dire que j'ai découvert un nouveau lieu dans l'île. J'ai trouvé un îlot sur le côté qui est le temple d'Isis. Et dans l'heure précédente j'ai trouvé un vase. Et une clé. Donc c'est énorme. Et là je progresse. Tu vois ça je connais pas. On est que je sais pas de bêtises, on est dans une partie du manoir que je connais pas en fait. Oh là là, je suis en train de me faire saucer. Merde. Je me suis mangé l'orbe rouge. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Bouge, 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 bouge. Bouge, 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 bouge. C'est bon ça. Comment dire, c'est chaud. Mais je vais où moi après? Je suis dans la fosse à un feu là. Au secours, je bouge. Et voilà, je me... C'est horrible. Alors attends, c'est pas la bonne intersection. Ah! Salopard d'ennemi. Merde, c'est où le truc? Non! Au secours! Je brûle dans les flammes de l'enfer. Je suis au milieu de lui, là. Oh!
Oh lo 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 lo. Ça me mène à quoi d'être là, moi? Merde, il est chiant, l'autre. Je vais sauvegarder à part parce que c'est balèze. Non, pas un autre, une autre lettre. Voilà. C'est-à-dire que je suis pas dans la confusion. Je vais mourir par le feu. Et voilà. C'est dur. Oh bah, con. Je croyais qu'il y avait un passage, mais pas du tout. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais la gestion de sauvegarde, là, c'est terrible. Il faut sauvegarder au bon moment, au bon endroit, surtout. Non, je peux pas. Regarde. Je meurs à une vitesse. Ah non, mais c'est ça, ouais, c'est le visage de diable. Je suis dans la mouise. Mais il me faudrait une immunité feu là avec vos âneries. Oh là 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 là. Je comprends pas. Je suis à l'opposé du truc, mais. Oh, je fais comment? Il y a une manue, forcément, que je peux pas atteindre, parce que j'ai pas le bon angle. D'accord, il y a pas de... Au secours. Merde, j'ai pas le temps de voir au fond s'il y avait un truc. Non. Non, mais je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas. Il n'y a pas de truc à coulisser, il n'y a pas de mur qui bouge. Ah! Ce mur-là est bizarre. On dirait qu'il coulisse. Mais je peux pas interagir avec. La question est pourquoi? Oh là 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 là. Si je reviens un peu plus en arrière. Là j'étais bien avec le triple P. Et c'est là que l'enfer commence. Qu'est-ce que c'est que... Oups. C'est vraiment trop bizarre. Si je me mets à courir comme un dératé, je gagne rien. Ah! C'est trop bizarre. Ouais.
pas. Je peux interagir avec, mais comment? Je comprends pas. Je comprends pas la logique de ce passage. Avec une aisance. Parce qu'il faut vraiment y aller tout. J'ai déjà fait du ménage, donc je vais peut-être sauvegarder. Hein. Pas mal, franchement pas mal. Il y a de la progression. Ah, comment il est venu me chercher lui? Je peux même pas avoir son orbe. Il est en hauteur, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, il y en a un qui m'allume. Non, ça donne rien ici. Ah. On m'a tiré dessus. Mais non, il est pas bon là. Moi je peux pas l'atteindre le salopard. C'est pas la bonne arme. Il y a des trucs qui m'apportent rien. Oh, laisse tomber. Je fais comment? Il doit y avoir un levier que j'ai pas vu qui doit être dans les flammes. La poignée est tellement brûlante que j'ose pas la manipuler. On peut le dire, c'est le niveau des enfers. L'air des pianos est extra. Ouais, une fois que t'es là, t'es foutu en fait. Ah non, peut-être pas. C'est où? Je sais plus où. Je suis pas le loup. Voilà, je pète le feu, mais pas comme il faut. C'est ça en plus. Le je pète le feu, mais pas comme il faut. Tout est dit. Thank you.
Non, encore moins. Eh, hey, ne me dis pas que j'ai déjà plus de munitions. Ah. Ah, attends, ça a ouvert un truc là-bas, non? Ah non, non, j'étais déjà, non, je sais plus. Oui, j'étais déjà. Au secours. Pardon. C'est moi qui fais sur l'image, mais... Voilà, c'est pour être sûr de les toucher. Je suis désolé hein, si je vous fais flipper et que vous êtes épileptique. C'est pas le but, mais... Les ennemis contraints. Oh, il y a une clé! On voit une clé! Il y a une clé! Je vais crever! J'ai vu la clé! J'ai vu la clé! Et comment on fait pour l'atteindre, bordelum? Ah non, mais c'est un vrai jeu d'énigmes, là. Sautant, on est d'accord, je peux pas m'agripper, je suis pas Lara Croft. Négative. Non, on peut pas faire coulisser le truc. Comment je fais, moi? Oh là 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 là. C'est dur, c'est dur. Si vous avez des suggestions dans le chat, n'hésitez pas. Attendez, je retiens un peu une perruque de bon parce qu'elle me tient vraiment trop chaud. Donc je la remets dans 5 minutes là parce que j'ai le crâne qui boule. Je bois un coup. Faut aller dans les flammes pour récupérer les munitions, c'est dégueulasse. Je la veux. Non, là j'ai bêtement, j'ai tellement cramé, là. Ça sert à rien mon truc, je vais recharger. Je me suis laissé bien retirer le truc débile. Attends. Je peux pas sortir de ce merdier, je crois. Enfin, en sens contraire, je peux plus revenir, à moins de faire un saut, mais... De toute façon, il y a une clé, je peux pas abandonner la clé. Mais d'accord, c'est le seul accès, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas une porte que j'aurais pas vue. Qu'est-ce que c'est que cette énigme? Le premier qui me dit en indice, tu chauffes... Hein? Vilain. Ah.
Non, une orbe. Je suis dégoûté. J'ai des vilains. Manque de vilains. La clé, la clé. C'est pas possible. Elle me tend les bras. Elle est là, la clé. Je saute, je la vois. Cette clé des enfers. Mais il y a un truc que j'ai pas compris dans le dédale. Il y a un truc que j'ai pas vu. Il y a un déclencheur qui m'a échappé. Il faut que je progresse là, ça va pas. Mais j'en ai marre de cramer dans les flammes de l'enfer. Elle est où la suite? C'est pas logique. C'est frustrant, hein. Là ça devient vraiment frustrant. J'avançais comme une fusée ce matin. Et cette énigme de... Ouais, bonjour David Olive, j'espère que tu vas bien. Moi aussi j'ai dit mais de... d'exaspération. Ah ah, c'est du tout cuit. Ah ouais, les flammes me lèchent. Va-t'en, toi. Je peux même pas l'atteindre avec mon arme, etc. Mais non, mais... Bah moi ça va bien, merci. Mais elle est là, la clé, je peux pas l'atteindre. On la voit quand je saute comme un dégo. La clé des enfers, je la vois. C'est ça, Killing Fire. Forcément un truc logique. Sans déconner, c'est l'incompréhension. Je peux rien pousser, je peux rien... Oh, lui, il m'énerve. Est-ce que je peux le dégommer au pépon? Mais comment je fais pour aller sur la partie supérieure, bordeloum? Ça me dépasse. Et voilà, j'ai merdé mon saut à cause du chaud. Du coup, faut que j'y retourne, je crois. Ou alors, il y a un levier que j'ai pas vu dans la partie première. Non. Non, non, c'est pas ça. Parce que là, il n'y a pas d'escalier, ça fait l'œuf et la poule. Oh, oh, le jeu qui rend fou. Ah, si je passe vite, j'ai pas besoin de sauter.
faut vraiment maîtriser, chose que je ne sais pas faire. De toute façon, je vais crever avant de réussir. Non, mais je suis mort. Mais on reste zen. Dire qu'à la base je suis un modeste enquêteur, je tiens à le rappeler. C'est pas possible, il n'y a pas un autre endroit pour accéder à la pièce, non? Attendez, j'essaie de me refaire une santé, on peut le dire. Munitions aussi, hein, je vais pas cracher un soupe. D'ailleurs, j'ai changé d'arme parce que voilà, ça me fait un autre compteur. En plus, j'aime bien les éclats. Ah, je l'ai pas buté. Oh, le vilain, il me donne une orbe mauvaise. Vous êtes des vilains. J'ai plus là, j'avais gagné quoi ici, je sais même plus. Ah, ah oui, non, mais la porte était fermée en fait. La porte était fermée, ouais ouais, c'est bah, c'est la clé qui me manque en fait. C'est la l'orange là. L'orange poncé. Ah oui, alors là les orbes vont me faire beaucoup de bien. Merde, j'ai loupé la bleue. Ah dommage, con. J'aurais pu être quasiment 100%. Dommage. Et ces salauds, eux, ils me donnent une rouge. Qui est un malus. Et merdium. Je sais plus quand c'est actionné, c'est en bas. Je crois. Là, c'était pas actionné encore. Non mais c'est un truc temporel. Attends, ça m'étonne. Ça m'étonne, ça m'étonne. Il faut que les leviers soient en bas. Voilà, là c'est en bas. Pour que ce soit actionné. Bon, ça c'est toujours la clé que je n'ai pas, mais... Ne dis pas qu'il y a un truc chronométré quand même. Ils vont me rendre fou. Attendez voir que je fasse un test très rapide. Bon, c'est pas grave, on fonce. On fonce.
plonge dans les flammes de l'enfer. C'est pas chronométré. Non, y'a rien. Non, y'a rien. C'est pas chronométré. C'est pas chronométré. Dans ce dédale, j'ai rien loupé, j'ai pas loupé un interrupteur. Non, en sautant, je peux pas récupérer une munition, c'est de la triche. Oh, le jeu qui rend fou! Oh, je l'ai eu de toute beauté. Je comprends pas. Est-ce que je peux observer par le haut? Par où qu'on arrive en étant par le haut? Il y a un escalier qui m'a échappé, je sais pas. Flamme de l'enfer, c'est d'un chiant. Je peux pas tirer sur le décor, c'est débile. C'est débile. Là, y'a rien, on est d'accord. J'ai pas un truc qui coulisse. C'est pas une logique à la Tomb Raider. Oh, si vous avez une idée dans le chat. Qui me dévore. Attendez, non, y a pas de... Oh, merde. Merde. Ah, j'ai récupéré des munitions. Je me suis laissé cramer dans les flammes, c'est débile. C'est débile. Un carassin commun. Putain, il y a des noms de poissons, j'arrive pas à m'y faire. Et c'est le carassin commun. Oh, il y a forcément une logique. Là, on dirait qu'il faut sauter. Mais je viendrai d'où? D'où je viendrai? C'est ça qui m'en fout. Parce qu'on va passer dans un Tomb Raider. Je sais plus, j'ai buté, non, je sais plus. À un moment, je viens du haut, mais comment? Bon, vous savez quoi? Je vais vous proposer autre chose. Au lieu de retourner là, vu que je tourne en rond, on va aller à l'arboretum, hors du manoir, parce que la clé verte semble correspondre. Histoire de progresser. Et on reviendra ici plus tard. Je pense que c'est une meilleure chose, parce que même moi je deviens fou là.
Ah, je me suis fait allumer par quelqu'un. Qui, je sais pas. Oh! Oh, ce bug! Ah mais attends, c'est pas la partie que j'ai pas faite? Hé! Hey, minute papillon là, j'ai bien fait de revenir sur mes pas. C'est la partie haute du bordel. Mais... j'ai failli mourir. Ah merde, je suis tombé. Je crois qu'on a trouvé la suite en fait, par inadvertance. C'est bien, effectivement, c'est pas par là qu'il faut aller. Alors. Mon intuition de tout à l'heure était la bonne, sauf que j'ai pas trouvé le chemin. Ah là 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 là. On y croit, on y croit, on y croit, on progresse. Voilà, c'est là que ça se passe. On y croit. Je deviens fou. On se calme. Voilà, je suis poursuivi là. Ah, dommage. Si je peux l'atteindre. Non, j'ai fait une connerie. Non, mais c'est trop tard. C'est pas grave. Qui c'est qui m'allume? Ah, c'est un troubillon en bas. Ouais, ouais, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Si je vais vite. Non, ça marche pas. Il faut sauter. Il faut sauter. Je suis obligé de sauter. Ah, j'ai pas de la tarte. Merde, homme. Ah oui, déjà je l'ai oublié. Je pourrais pas faire ce jeu perso, je pourrais pas m'empêcher de rire. Ouais, oui, bah je suis... ça fait du bien. Hein. Mais j'aime bien l'ambiance. Hein. Il y a une ambiance égyptienne à la Tomb Raider, là, j'aime bien. Et les musiques sont vraiment bien travaillées. Oui, il est dur. Ouais, il est dur. T'en bave. T'en bave, mais à mon avis, quand j'aurai fini, il sera super gratifiant. À mon avis, vous allez m'entendre quelques heures me la péter en me disant « j'ai gagné le jeu, quoi ». Je l'ai fini. Enfin, ah, j'ai merdé mon saut. Il est... Qu'on dit ? Il est rigide. Il est rigide du cul. Mais c'est un bon jeu, moi, je trouve. Il y a des défauts, mais c'est un bon jeu. Oui! Je suis sur le bon versant. La clé, la clé, la clé. On y croit, on va y arriver à la clé. Ah! Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tu veux me donner? On va mourir. Au secours! On m'attaque. On m'agresse. Je ah ah ah! J'ai cliqué. Où est la clé? Je veux la clé. La clé sacrée. Oui! Elle est là, la clé! Je la veux! Ah oui! Ah! J'ai la clé.
Ah, je me sens mieux. Oui, bah je me barre de là, moi, après je m'en fous, je retombe dans la fosse. Hein. J'ai la clé, allez vous faire poutre. Aïe, 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 j'ai brûlé. Faut que je recommence mon saut. Aïe, ouh, aïe, 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 qui c'est qui m'attaque? Oh, j'ai la clé. Alors niveau vie, je suis dans la merde. Merci, mais j'ai la clé. Mais qui? Ah oui, tiens, j'ai peut-être pas mis les sons. Tiens, je fais la même faute que FunFan. Attendez, du coup, je m'accorde une pause. Attendez, je reviens vers vous et je m'accorde une pause. Fait du bien de souffler un peu. Attendez voir. Mais oui, mais j'ai pas mis les sons, pardon. En fait, il faut activer la zone de notification de Wisebot. Voilà pourquoi on n'a pas entendu le GG. Je renonce, je suis un lâche. Bah bravo, c'est du beau, c'est joli. Je vois pas l'heure passer. Merci à vous d'être là. J'en profite pour recadrer mon bazar. Bah, du coup, vous envoyez même mon plafond. Normalement, vous ne devriez pas, entre guillemets, pudiquement. Là, je peux remettre ma coiffe de blond. Ah. Oh putain, j'ai l'air con. C'est rigolo. Fais du bien de marquer une pause. Sans déconner, je me posais 2 minutes là. Je vais vous lire aussi, parce que si vous voulez m'écrire des trucs, c'est le moment. Oh. Waouh, waouh, waouh. Alors cet après-midi, on continuera Resident Evil Zero. Je suis très motivé. Et peut-être qu'on va le finir. Parce que normalement, c'est la dernière partie, là, avec tous les sous-sols. Puis demain, je sais pas ce qu'on fera. Mais demain, je serais peut-être tenté, ou cet après-midi, parce que on aura peut-être fini assez vite Resident Evil Zero, de revenir sur la Mega Drive, c'est-à-dire faire du Sonic. J'ai envie de faire d'abord du Sonic, et seulement après du Street of Rage, histoire de varier les plaisirs. Voilà, c'est la journée détente, repos, relaxation. Bah j'apprécie, vous voyez, de faire la pause par rapport au jeu, là. Parce que c'est dur, dur. Bonjour, Pascal Sevran. Oh mon dieu. C'était quoi le générique, déjà? C'était une chanson de Charles Trenet. La France a raison d'aimer ses artistes, ses poètes. Oui, 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 oui. Oh bah, tu vas être heureux cet après-midi SDR. Et d'ailleurs, il faudra qu'on parle. Alors, je sais pas si je le ferai aujourd'hui ou demain. Je t'avais dit... Ouais, c'est, les sons sont de retour, c'est bien. Je t'avais dit, faut qu'on parle du Final Fantasy, en fait. Parce que... En gros, mon idée... Comme c'est un arc que j'ai complet, j'ai les... Est-ce que je peux dire que j'ai tout l'opus? J'ai envie de te dire, j'ai les 3 opus, ou les 3 parties de l'opus, du 13, je crois, là. La question est, est-ce qu'on peut se permettre, pour la compréhension du scénario, de marquer une grosse pause entre chaque Blu-ray? Je parle du support. Parce que si je me lance prochainement dans Final Fantasy, si je devais le faire en une seule traite, il va nous tenir en haleine très longtemps. Mais quand je dis très longtemps, il sera au moins à cheval sur 2 saisons, si c'est pas 3. Parce que le Final Fantasy là, au niveau contenu, il est énorme. Et puis vous me connaissez maintenant. Moi j'aime bien gratter, explorer, contempler, je prends mon temps. Donc... Oui, y a pas de souci. Tu fais ce que tu veux, Devil Live. Bon week-end à toi. T'as eu le droit de te faire tout petit. Bah c'est très long. Sachant que je suis censé déménager, je reviens par rapport à ma vie perso. Bah j'ai peur à ce qu'il y ait une énorme cassure. Parce que s'il se passe 3-4 mois pendant lesquels je pourrais plus diffuser à cause de mon déménagement, le temps de retrouver l'internet et tout le bordel, ça va être dur.
Oui, tu peux te permettre de faire une pause, je me posais la question aussi. D'accord. C'est pour ça que je me tournais vers toi, parce que tu m'as dit que tu étais fan, que tu avais les bouquins, que tu avais plein d'infos là sur le jeu. Ok. Bon, bah c'est bien, ça répond à ma question. On peut faire une pause entre chaque Blu-ray. Donc, je serais peut-être amené à démarrer le Final Fantasy prochainement. Peut-être juste avant le printemps, début mars. On verra. On verra. Je fais pas de promesses là où je peux pas les tenir, mais c'est possible du coup. Tu vois, tu m'aurais dit ouais, pour l'histoire principale, ouais, jusqu'à 60 heures. Oui, et moi qui aime faire les quêtes annexes, autant dire qu'on va en bouffer 250 heures, quoi. Ouais, c'est bien, bravo, t'es un vrai fan. Hein. Bah si je suis coincé, tu m'aideras du coup, c'est cool. Bref, ça vient bah, prochainement, voilà. Parce que tu m'aurais dit, non, on peut pas mettre une cassure et on est obligé de tout faire d'une traite. Là, je t'aurais dit, on aurait plutôt commencé en 2023. Ah, Devil Olive, tu me dis le 13, c'est celui que t'accroches le moins de la saga, et c'est celui que j'ai pas fait le 12 non plus. Ok. D'accord. Bon, allez, on va retourner dans le jeu. On progresse bien là. On va peut-être le finir tout à l'heure, le Killing Time. Peut-être vers 13 h. Après, il faudra que je déjeune quand même, faut pas déconner, mais... J'avais mis quoi? J'avais mis... Non, j'avais mis ça comme... Tac, tac, tac. Alors... L'essentiel pour moi, c'est de voir le chat. Ne vous inquiétez pas, ça va se figer au niveau de l'affichage. C'est parce que le jeu est chiant, il est comme ça. Et je n'y peux rien. Oula! Il faut que je retrouve la sortie. Dans l'immédiat, je reste maudit. Voilà ce qu'il pourrait mettre sur la chanson. Des munitions, des munitions. Mais c'est vraiment intelligent, je trouve, l'idée du FPS à énigme. C'est contraire au genre. Et franchement, là, ils l'ont bien amené dans le jeu là. Il a vraiment son charme ce Killing Time. Ah, le dédale de fou. Non, je suis revenu à l'entrée de l'énigme. Je veux sortir du truc. Ah, j'ai entendu un... J'ai entendu le... d'un vilain. Il est où le vilain qui m'a fait... Je fais le plein de munitions. Ah! Enfin! Wow! Oh, je m'en tiendrai qu'au 13 début de live pour le. Comme j'ai la chance d'avoir acheté de case les trois parties de cet opus. Après, peut-être que bien plus tard, je ferai un autre Final Fantasy, mais voilà. Oh, il va falloir que je sauvegarde. Non, j'ai pas encore cette clé. Oui, alors l'arboretum, il est hors du manoir. Il faut que je me casse dehors. Adieu. Ah, ce manoir, on s'en souviendra. Hein. Punaise. Alors, je vois ce que ça donne en fait. Le 13 est le jeu qui m'a fait acheter la Xbox 360 à l'époque. Alors moi, je rappelle, je vais le faire sur PS3. J'ai failli dire I Xbox 3, moi, n'importe quoi. Je crois que l'arboretum est par là-bas. Par là-bas.
Il faut pas que je ferme les yeux sur les munitions. Parce que là, j'ai tellement défouraillé que j'ai plus de munitions là. D'ailleurs, j'ai changé de flingue. Voilà, merci. Ou le pépon, et ouais, c'est pas mal. Il me faut des munitions. Ah bah c'est, j'ai refait le plein, pardon. Bon, c'est cool. C'est cool. Attendez, que je vous lise tous. Ah, il est différent des autres et c'est ce qui te plaît. C'est ce qui te plaît. Je sais plus prononcer là. Bon. Je dis chapeau à Square Enix, ils ont osé faire la trilogie. Ouais, ouais, bah. J'avais joué chez un pote et j'ai eu une révélation. Ah ouais, à ce moment-là. Oh la vache. Ah, Vanille, comme tu me manques pas, mais alors pas du tout. Allez, au chocolat. On a déjà fait ici, on avait eu un vase ici. C'est pas ça que je veux l'arboretum. Ah, je me suis trompé de chemin. L'île qui rend fou. Je me suis planté de chemin, demi-tour. Vanille est différente. Pour tout retenir, passe ton play, c'est chaud. Ah oui, tu es obligé de faire un effort de mémoire. Rien que les labyrinthes en eux-mêmes dans le... Enfin, je sais pas si tu parles de mon jeu ou du FF13, mais... Pour ce qui est de Killing Time, je peux te dire, il faut faire un effort de mémoire, oui. Sinon, tu fais comme moi hier soir, tu erres comme un fantôme. Jusqu'à ce que tu tombes par un heureux hasard là où tu n'es pas allé. Je me souvenais plus que l'arboretum était si loin. Alors, la crypte avec l'église, on l'avait déjà faite. C'était un passage vachement chaud d'ailleurs. Faut que j'arrête de me mordiller la lèvre. Là, je suis en train de m'auto-mutiler bêtement. Pas bien. J'ai la lèvre qui a dû être bouffée par le givre cette semaine. Je tue le temps, oui. Voilà, c'est la route de l'arboretum, ça. On va bientôt voir le bâtiment. Popopopopo. L'arboretum. Voilà. Et je pense que je peux ouvrir maintenant. Oui. On va aller de l'arboretum. On progresse. À mon avis, ici, je gagne un vase. Quelque chose me dit que... Oula. Oulala. Oula, 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 il y en a qui s'excitent là. On se calme. C'est beau. Oh là là. C'est classe ça pour être. J'ai l'impression de rien du tout. Qui c'est qui me crache dessus? Je fasse gaffe à ma vie. Hein. Ah, le vase. Ah non. Bah. Non. Ne me dis pas que je gagne rien. Mais si, il y a un truc là. Elle est belle la fontaine. Tout est beau ici. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Attends, je peux sauter dans la fontaine ou pas? Apparemment non. Apparemment, j'ai pas le droit de sauter dans la fontaine. Donc tant pis. J'ai le droit de sauter sur les munitions par contre. Y'a rien dans l'arboretum? Non, ne me dis pas. C'est une escroquerie le truc?
Alors ça vaut le coup pour la beauté du lieu. Mais non, déconne pas. Là, il n'y a rien. Là où il aurait pu y avoir une... Ah, il y a un interrupteur. Derrière l'arbre, les salauds. Les vilains. Pardon, je suis grossier. Ah, j'en oublie ma touche saut et je suis en train de m'en mêler dans les commandes. Tout va bien. Ah, qu'est-ce que j'ai déclenché? J'ai déclenché un truc, mais je sais pas quoi. Ah, il y a une trappe dans la fontaine. Oh mon Dieu. Quoi? Mais j'ai pas compris. Il y a un sous-sol sous l'arboratum là. Attendez. Attendez, 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 j'ai merdé. Ah! On va y arriver, on reste zen. Il y a un trou dans la fontaine, d'accord. Ah! Ah! Après les égouts, les égouts. Attendez, je vous lis un peu là. Oh mon Dieu, on y retourne. Bon. Alors, je vous lis paisiblement. Ah mais si je peux faire toutes les quêtes optionnelles dans FF13, je vais les faire. Donc oui, du taf, tant pis si on y passe 500 heures. Hein. Mais si c'est 500 heures de bonheur, tant mieux. On le fera sur 2-3 saisons s'il le faut. S'il me faut 3 ans pour faire tout l'arc, on mettra 3 ans. Mais comme je l'ai dit, j'ai les bouquins des 3 jeux donc tu louperas rien. Ouais, c'est cool. Je reviens, Windows a une mise à jour importante à faire. Ah, bon courage pour la mise à jour. L'arboretum de la... Oh mon Dieu. Et cette question terrible qui me taraude. Quel est le dieu égyptien des égouts? Oh! Il est déjà 11 h. Il est 11 h. Eh ben, elle était bienvenue, cette orbe. Sinon, je vais m'apprêter à crever. La 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 la. Hach! Pardon. Excusez-moi. Ouais. Pourtant, il fait bon, hein? Non, ma chaudière est... Oh là, j'ai même plus chaud que la température que j'ai demandé chez moi. Donc je suis en train de prendre un coup de chaud en fait. J'ai ce luxe-là, c'est merveilleux. Il doit y avoir un redoux en Lorraine. Maintenant je dis des bêtises. Parce qu'il doit geler encore la semaine prochaine avec de la flotte en plus. La semaine qui arrive, il va faire que flotter. Waouh, le bunker! On a un bunker sur l'île. On voit tout le monde arriver là à partir d'ici. Non mais c'est de fou. C'est une île de fou. Vous le savez déjà. En sautant par là. Bon, non mais la porte forcément. Faut que j'aille vers le truc doré là. Pardon, oui c'est bon, t'as digéré la mise à jour. Yinoubé, mon zio. Ah, vous êtes sévère avec vos soies à la noix. Voilà, j'ai déjà merdé. Pardon si je vous fais flipper là, mais... Mais c'est nul! Oh, je suis obligé de prendre mon clavier pour recharger tout le temps. Tellement que le truc est balèze. Évidemment, il va me dire que je peux pas tricher en sautant comme ça.
Ah si. Si, si. Ça me va très bien. Je repose le clavier. Non ! La porte s'ouvre pas. Il y a un levier que j'ai pas trouvé. Mais merde. Ah, il fallait sauter là pour déclencher le bordel. Oh, ce gémissement. Toi-même. Ah, nous avons un vase, comme je l'avais prédit. Cochonnerie. Ouf. Oh, j'ai tellement fait un coup de souris rapide que je me suis éjecté hors plateforme. Du coup, j'étais trop efficace, on va dire. Ironiquement. Voilà. Oh là là. Oh là là. Oui. C'est moi ou on a entendu des bruits des chiottes? J'ai cru que quelqu'un a tiré la chasse. C'est une blague? Oui. Il me manque 3 vases, hein, je crois. Il me manque 2 clés, 3 vases. Oh, je sens qu'on va finir avec la bonne fin dans le jeu. J'ai 9 clés sur 10 et ouais, j'ai 7 vases sur 10. Ah, ça sent bon. C'est cool. Et un vase de plus. De l'intérêt de faire l'arboretum. Qui c'est qui fait brrrr? Il n'y a pas de brrrr qui tienne. Alors, sortons des égouts. Mince. Ah, ah, cet arbre est homme de fou. Oh, bonjour, Romsben. Comment vas-tu en ce samedi matin? Alors que je suis content, j'avance dans le jeu. J'avance, mais attends, où est la prochaine porte? Il y a possiblement une porte dans le manoir que j'ai pas faite. On va retourner au manoir. Ah. Oh non, j'ai pas pris la bonne direction. Je suis pas au bon endroit. Oh là là. Ouais, ça va, c'est cool. Moi, ça va bien, merci. Je suis content de faire mes muses et de pouvoir papoter avec vous. C'est le bonheur. Ouais, ça va fort bien. Merci tout. Alors, je vais retrouver mon chemin, oui. Attends, je reviens. Ah non, je descends. Non, non, c'est bien, c'est bien. Je me redirige vers le manoir. Là. Oh, cette île de fou furieux. Je m'en souviendrai de cette île. Hein. Pouah, elle a été sacrément bien pensée par 3DO.
Oui, c'est rigolo. Wisebot est en train de mettre en lumière ce que j'étais en train de dire. Que j'étais bien content de vous voir. Alors, le manoir. Il est là-bas, le manoir. Alors, quelle porte n'ai-je point déverrouillée dans le manoir? Oh, mais si, je sais, il y a une porte qu'on avait vue tout à l'heure, là, l'orange, qui était à l'autre bout du dédale de fou. Déjà, là, on va voir. Est-ce que ça ouvre ou pas? Ça n'ouvre pas. Donc, c'est pas la bonne clé. Dans l'immédiat, au rez-de-chaussée, entre guillemets, tout est ouvert. À l'étage. C'est ouvert, c'est ouvert. Ah, c'est pas ouvert là-bas. Merde, j'ai pas la mauve. Je n'ai pas la mauve. Donc, mon intuition doit être bonne. La suite doit être là où on était tout à l'heure. Souvenez-vous, il y avait une porte orange qui me résistait. Il y a la porte orange qui me résistait, qui était... Qui était... Au niveau d'un escalier. Et c'est peut-être une porte orange qui va me donner accès à une autre clé. On y croit, les enfants, on y croit. Ce serait là. Dis-moi que ça ouvre. Ah oui, c'est la chouette. Bonne mémorisation de ma part. C'est cool. Ça veut dire que je suis bien à fond dans le jeu, là. Là, j'ai bien imprégné, c'est cool. Oh merde, je suis en train de me dire... J'avais dit à quelqu'un que je resterais attentif à ses messages et je l'ai pas fait ce matin. Justement, bien pris dans le jeu. Non, apparemment, ça se passe bien. Pardon, juste une petite interruption rapide. Veuillez m'excuser. Mais non, mais je veux pas le mode photo. Oh, les téléphones m'agacent, vous avez pas idée. Bah ben voilà, il est en train de se planter. Alors, les téléphones, c'est la forme d'ordinateur que j'aime le moins. Ça m'énerve. Ah là 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 là. Bon, apparemment j'ai rien, tant mieux. Tout se passe bien. Excusez-moi, je reviens vers vous, je vous lis. Ah oui, pardon. Oui, merci pour les GG. Oh! Ah bah c'est une petite pièce. Pardon. Ah non. Je crois que c'est un nouveau perso. Je comprenais plus. On fera les scènes sur le retour. Hein. Les scènes de vision, là, ce sera sur le retour. Hein. Wow, le rêve, la bibliothèque. Même Lara Croft, elle a pas une bibliothèque si grande. Je l'ai même dans Minecraft. C'est possible en plus. Ce serait possible. Oh là là, il y a le sous-sol du... Il y a un truc derrière, c'est obligé. Ah, cette maison de fou. C'est la maison des fous. La maison des défouraillés.
Oui, je vous ai vu en bas, je suis pas pressé de vous rejoindre. Non mais il faut engager un, comment on appelle ça, un... Tiens, je pense que c'est le boulot d'Aeroster, lui qui est justement un littéraire. Son vrai boulot, c'est pas d'être libraire, c'est d'être documentaliste. Et ouais, le bouquin que vous cherchez, c'est la 34e étagère sur la droite, 7e rangée par le haut. Oh, le bouquin, tu en veux un, va le trouver là-dedans. C'est une aiguille dans une botte de foin. Oh le vase. Oh, vous le voyez comme moi le vase. On va y aller. Ah oui, le vase. À moi le vase. Je n'aurai pas la malédiction égyptienne. Je serai protégé. Je serai protégé par d'autres dieux égyptiens. De toute façon, quand tu joueras à FF13, je serai en vocal. Ce sera plus simple. Ah, avec grand plaisir. J'y avais pas pensé, mais avec grand plaisir. Oui, ce sera plus simple. Ça t'évitera de rédiger des pavés, mon pauvre. Y a pas de souci. Oh, ce sera avec grand plaisir. Toi-même. Oh, les gémissements. Attends, je suis en train de me faire défouailler, mademoiselle. On va chanter après. Ok, ça va être une comptine célèbre. Oui, puis moi lire à chaque fois le chat, oui, tu pourrais mieux te concentrer sur le jeu. Oui, c'est vrai. Surtout que les phases d'action, c'est parfois c'est pas triste. Il peut y en avoir des longuettes, surtout que je serais pas doué, mais bon. Sors de la bibliothèque. Je t'ai vu. Oh! Oui! C'est une clé. C'est une clé. Ah! Il me manque plus qu'une clé. Ça m'excite. Pardon. Mais c'est vrai en plus. On va y arriver. On va finir le jeu. On y croit. Il me manque donc deux vases, une clé. Poudou, 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 poudou. Poudou, poudou, poudou. Quand il n'y a plus de musique, je la fais moi-même. Attendez, oula, je te dis DR. Ouais, on y croit, on y croit. C'est vraiment en bonne voie. Hein. Là, ma cadence de progression ce matin est redoutable. Merde, c'était où? Un vrai dédale, je vous dis.
Bon, c'est pas perdu, je fais plein de munitions, mais... Ah oui, les scènes, j'avais dit qu'on les regarderait, il y en a trois. Alors attendez, déjà je vais changer de flingue histoire qu'on y voit quelque chose. Voilà. Helping Tess with her latest acquisition. I thought you and Duncan didn't get along. Not that acquisition. The clock. The Egyptian water clock. What does it do? Well, under normal circumstances, it keeps track of time by regulating the flow of water to a series of uniform drops. You couldn't use it to make gin, could you? No. No, no. This clock is special. By using blood instead of water, and by reciting a few simple incantations, Tess hopes to envelop us in a mystical force that will slow the aging process. Do you think you could slow down my aging process and speed up hers? Well, no. Les scènes, ils sont pimpettes, enfin surtout la dame, parler de rituel de mélanger dans un petit peu fond d'eau du sang, machin, c'est la base du rituel, bref l'horreur. La demoiselle apparemment était en train de l'allumer, si je puis dire, sauf que l'égyptologue était à fond dans son truc, Égypte. Bref. Poupoupidou. C'était Poupoupidou. Voilà, c'était cadeau offert par la maison. So, Robert, tell me, what do you think of Mr. DeVries? Well, it's really not my place to comment on Miss Conway's associates. No, of course not. But since you're practically a member of the family. Yes. Yes, do go on. Well, I don't trust the man. Tess met him askance 6 weeks ago, and he already acts as if he owns the place. I've known Tess for 5 years. And that crude little friend of his, he brought in to guard the estate. The estate never needed guarding before. She hardly notices me when Duncan is around. And that riffraff that he invites out to these garish parties. What could she possibly see in him? He's hardly an intellectual. If it weren't for my devotion to the Conways, I think I'd leave. Well, it's been nice talking to you, Robert. Oh, always a pleasure, Mr. Fleming. Bref. Bref. Ah, c'est délirant. Donc, j'avais vu juste, je sors de là victorieux. Je sors de là victorieux. Voilà. Ah, alors du coup j'ai la... Non mais attends. J'ai la clé pour la porte du fond là. C'est la verte foncée. Là, je vais pouvoir y aller. C'est la suite. C'est la suite. Alors, attendez, j'ai peut-être pas le bon flingue là, parce que ça va peut-être y aller. I'm quite concerned about you. Why is that, Robert? Since your parents passed on, you've been taking up with a dark crowd. Oh, the parties and the merriment are only natural for a young lady, but your fascination with time and ancient things are quite irregular. And now that you're... Poor dear Robert. You miss our old life, don't you? It's not just that. But Tess, dear child, why do you associate with this DeVries character? He's not of your ilk. Duncan is my friend, Robert. He gets me things. It's exactly those things that worry me. He's building an arsenal in the storeroom. Please, Robert. I'm tired.
and there are gangsters in the garden. Well, hand them some pruning shears. The hedge is atrocious. Oh, c'est la cour arrière. La cour arrière du manoir avec du clipping. La cour arrière du manoir. Sur la carte, on est où? The Hedge Maze. Ah, c'est... c'est un jardin à la française. C'est un dédale... Oh, la vache. C'est... Bah, comme dans Tomb Raider, d'ailleurs. Elle en a un aussi, Lara Croft. De labyrinthe végétal. Allez, une nouvelle scène. Close to me, let's play a game. I'll give you a clue, you think of its name, and then look for the object, and when it is found, you'll be one step closer to leaving this ground. Help me. Eh ben, on va jouer à ton jeu, demoiselle. Help me. A box in which you might take heart. Oh là là. Two harmless animals for each leg of your journey. Two weapons of warfare to hold your own again. Alors, vous remarquez, je suis toujours à l'extrême gauche. Je vais essayer d'avancer de manière organisée, on va dire. Je l'ai dans le baba. On va sauvegarder histoire de se dire qu'on progresse. Lofty trees, which you'll find well in hand. Ce bruit, on dirait presque des oies. Oh là là, le dédale de fou. Two fish that you could walk with. Je commence à vraiment avoir faim. Il est 11h30.
Ah ouais, le labyrinthe de fou. D'ailleurs, je sais pas ce que je vais me faire à midi, mais je vais manger goulûment. J'ai vraiment les crocs. Tu me diras, j'ai pas pris de petit-déj. C'est pas bien. J'ai pas croqué de biscuits ou je sais pas quoi. A globe that will get you ahead. Allez, ouais, non mais tu vois ma manière organisée de progresser. C'est pour être sûr par élimination de rien louper. On l'a déjà vu, hein, ça m'a déjà joué des tours. Faut vraiment pas y aller à l'arrache dans le jeu. Faut méticuleusement progresser. Mais c'est sans fin le truc. Some tasty shellfish to pick you up. Oula, elle était plus enthousiaste la demoiselle. Le lance-flamme... Je sais pas, ouais, fusil à pompe, c'est mieux. Oh non. Je sens que le labyrinthe va nous tenir en haleine un bon moment, au moins jusqu'à midi. Et merde. Aïe 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 aïe. Allez. Rows of yellow soldiers who ironically cannot hear. Eh? Ça peut pas être ici? Quoi? Merde, j'en oublie la touche. Voilà, ça vient d'être clair. Là je l'ai dans le U. Oh! Oh! Non, attention, c'est piégé. Je fais le tour d'abord. Oh oui. Non, sérieux? Oh oui! J'ai toutes les clés. Aucune porte ne peut me résister désormais. Mais il me manque deux vases. Il me manque deux vases. Oui, merci pour le GG. A lisping rodent. Quoi? Oh la vache. Mais c'est sans fin! C'est un truc de fou! A vessel gone wide to thin controls the flow of gin. Le jardin, c'est l'univers de la gamine. Ah ouais, c'est infini.
two pillars that shine when you lift the roof. Yeah. Mais ils sont cassés le cul à faire des symboles pour chaque porte. Il y a des dizaines de portes, c'est un truc de fou. Ils ont vraiment bien bossé à la création du jeu, mais... Voilà, il peut y avoir des vases. Le vase d'abord. Et la scénette. Tess Conway was glamour and glitz, but then poor Tess was split into bits. Now we're all stuck here forever, unless you can bring her back together. Ah oui, ma pauvre demoiselle, nous serons séparés. Moi je te le dis tout de suite, ma grande, je me barre d'ici. Une fois que j'en ai fini avec la malédiction. Hein? Il me manque un vase! C'est pas celui de Soissons. Ne me faites pas la vanne. Je peux pas monter! Mais c'est nul! Alors faut que je fasse un saut. Tiens, j'ai fait de la mouise. À mon avis, il faut que je fasse un saut. Alors, la statue, elle est belle, mais dans l'axe de saut, elle manque équine, pour être poli. C'est dur. Oh, pour le fun, je vais me taper tout le labyrinthe. Allez, hop. Ouais, encore un vase et je pourrais aller manger, ouais. Allez, la suite. De toute façon, c'est... Ah bah... Ça aurait été con que je le fasse pas. Ah, ah, ah. Oui. 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 Oh les salauds. Attendez. Bah, pourquoi il me manque un vase? Bah. On voit bien qu'il me manque un vase là. Pourquoi je l'ai pas? Bah j'ai pas compris là. Elles vont disparaître ces orbes de malheur? Ou c'est un piège? Ah, c'est peut-être un piège. C'est un piège? Aïe. Ah ah. Oh là là, non, mais c'est un énorme piège le truc en fait. Je récupère plein d'orbes bleus. Les orbes bleus. Les orbes bleus. Les orbes qui me rendent heureux. Attendez. Ah, je sais. Je sais où est le dernier vase. Vous vous souvenez qu'au tout début de l'aventure dans l'île, il y a une grotte. Au fond de la grotte, il y a une porte. C'est cette porte-là, c'est sûr, le vase est derrière. Et là, tout ce que je fais, c'est du bonus. Je suis pour, hein. Mais c'est bon. Tout est clair pour moi. J'ai compris. Et le combat final, c'est une des portes à cercle avec toutes les couleurs, parce qu'il faut avoir les 10 clés pour les ouvrir. C'est là où elle se planque, la vilaine. Qui se prend pour Cléopâtre, là. Ah là 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 là. Ça y est, je viens de piger. Pardon, je retire la perruque parce qu'elle me pèse un peu quand même. À la longue, elle me pèse. Je suis mieux quand même crâne nu. D'ailleurs, hop. La patoune qui fait coussin. Et je me relaxe les cervicales. Ça y est, tout me paraît évident. J'ai toutes les pièces du puzzle et tout s'imbrique. J'ai compris. Je suis confiant. Je suis confiant. Je serais très surpris qu'il n'y ait pas le dernier vase derrière la porte dans la grotte. C'est juste énorme. Sympa le cadeau.
Ah non, c'est piégé, il y a des flammes. Oh non. Oh, c'est dégueulasse. Oh, le piège, toi. Il faut que je cours à mort pour pas cramer. C'est la guerre, mais ça va tant qu'elle n'est pas thermonucléaire. Oui, ça c'était la clé en cadeau. Est-ce que là j'avais tout fait? Non, j'avais pas tout fait. Oh les salopards, ils me donnent plus d'orbe bleue. Les orbes bleues, les orbes qui me rendent heureux. Dadi dada dadi doudou. Quelle aventure! Oh, sympa le cadeau! Parce que je tiens plus la perruque là. Fini par me gaver sur le crâne, je la remettrai cet après-midi. Tellement de trucs. Oh la vache. Ouais, ouais, ouais. Ça pour faire le ménage, et c'est même un épouvantable carnage. Bah, je me demande si à la fin du jeu, on n'aura pas un ratio d'ennemis, si vous voyez. Et j'aurai peut-être un excellent score. Parce que j'aurais vraiment bien défouraillé tous les ennemis, quoi. On verra. Ah non. J'ai pas besoin de munitions. Non, la fin est plus si loin que ça. Parce qu'en fait, pour éviter le joug de la malédiction égyptienne en me barrant de l'île, il me manque un vase. Et le vase, je crois savoir où il est. Il doit être dans la dernière porte que j'ai pas ouverte, puisque j'ai toutes les clés. La dernière porte que j'ai pas ouverte, elle est au fond d'une grotte, souvenez-vous, au début de mon aventure. Il doit y avoir dedans le dernier vase.
qui va me permettre d'avoir la protection des dieux égyptiens. Une fois ça fait, je vais pouvoir revenir dans le manoir et ouvrir une des portes à cercle avec toutes les couleurs. C'est une porte qui demande les 10 clés. Ce qui doit être la fin du jeu. À mon avis, je fais face à la nana qui se prend pour Cléopâtre et j'azigouille. Et après c'est fini, je me barre de l'île. Normalement, hein, c'est ce que je pressens. À mon avis, c'est ça. Donc, avant 13h, avec un peu de chance si mon rythme est bon, avant 13h, je finis le jeu. Dans une heure, c'est... Ouais, ouais. Dans une heure, c'est plié. Et... Ce serait cool de me dire, j'ai fini le jeu, quoi. La classe. Par contre, j'avoue que je suis en train de m'égarer. D'ouvrir toutes les portes. Putain, je sais pas tout ouvert. Oh la vache! J'ai mis en montant le vent. Trop bien. Oh là là. A bot. Non, t'as déjà entendu, mademoiselle. T'as déjà entendu, ma grande. Attendez, pardon, je vais vous lire. Je vois que vous écrivez des trucs, mais... Ah, tu taquines Wiseboot. Eh ben voilà, j'ai fumé le labyrinthe. Oh, trop bien. Alors on va aller chercher le vase. Le dernier qui me manque, je sais où il est. Avant de revenir dans ce fichu manoir et de finir le jeu. D'affronter la vilaine là, qui n'est pas en bleu. Alors la grotte, elle est là-bas. D'ailleurs, je vais sauvegarder parce que j'ai foutrement bien progressé. Je sais où est la grotte. Ouais, ouais, ouais. Un vase et je suis à l'abri de la malédiction égyptienne. Parce qu'il faut savoir que dans le jeu, il y a une bonne et une mauvaise fin. Et c'est bien ce soir, on se retrouvera chez FunFan à 21h. On va avoir un nouveau jeu commenté. Un jeu que je connais pas du tout. Je vais le découvrir avec vous, qui est Runaway. Ah, j'ai déjà les munitions. Je crois qu'elle est là-bas, la grotte. Enfin, j'aurais vite fait de la retrouver. Il n'y a pas 5 ans de chemin. Il y en a 5 tout au plus. Je me sens pousser des ailes là, je suis enthousiaste. Parce que la progression, elle est bien là. J'aurais vachement bien joué à ce jeu ce matin. Là, on est parti pour le finir d'une ligne droite, mais avec la classe.
Je ne suis pas plus fier de ma session de jeu. Ah non, c'est des... Ah bah, j'en ai besoin aussi. Mais... La voilà. La voilà. Alors, attendez, c'était où? C'est la dernière porte qui me résiste. Enfin, l'une des dernières, parce qu'à venir, il y en a encore une autre qui me résiste. Mais on verra dans le manoir. La voilà. Oui, c'est la suite. C'est la suite de la fin, de la suite, de la fin, de la fin, de la suite. Voilà. On comprendra qui comprend. Bon. Mais je décale pas ma caméra, j'ai l'impression que je fous les coups. Hein. Ah yes, comme tu dis. Oh. Oh, 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 on se calme. On est excité. Ouais. La 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 la. Pariez combien qu'il y a un vase dans là où je suis. Il y a un vase là-dedans, je le sens. Mon Dieu, mais c'est l'Égypte. Et le grand boss, en fait, on se rend compte que c'est Nagui. Non, c'est pour faire un clin d'œil à Nagui. J'aime bien ce monsieur. Enfin, j'ai jamais rencontré en vrai, mais... On va dire que j'ai un gros capital sympathie pour Nagui. Bref. Non, ne me dis pas qu'il n'y a pas de vase. Patoune, ah oui, les patounes. Les patounes de la joie et de la bonne humeur. Non, ne me dis pas qu'il n'y a rien derrière la porte. Elle m'a tant fait envie, c'est... Dernier vase. Je veux le dernier vase. Waouh, mais le détail de fou. Et c'est sans fin. Ah, ça fait peur pour le coup. Monsieur le crâneur. Qui est la gentillesse de me céder une orbe bleue. Ça sent le vase. Dis-moi que le dernier vase est là. Oui. Le dernier vase qui me manque. Je suis sûr, il est là. Je le... Hein? Je suis où là? Oulala! C'est quoi ce délire? La carte me dit quoi? Je suis où? Je suis où d'après la carte? Je suis au Maninicus Caverns. Je suis dans des cavernes. Ok, tout va bien. Oula, 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 oula. Oula là! C'est la guerre! C'est la guerre. Un peu plus, un peu plus. Oh là là, il y a trop de monde là. C'est pire que Doom! Welcome to your doom. Oui, je veux l'orbe bleue. L'orbe de la vie. Ah oui, je veux ça aussi.
comment qu'il m'allume. Ah, ils se butent entre eux. Elle est bonne celle-là. Ils se butent entre eux. C'est ça, butez-vous entre vous, t'as montré drôle. Je vous ai entendu, démon. Et je vous trucide, démon. Ah bah, les démons. Ah bah, les démons. Ouah, il y a des munitions. Il vaut mieux que je me la joue à la Schwarzy, dans le sens je fais, ou Rambo, je fais le plein de munitions, parce que si le final je dois tirer comme un bourrin sur la nana qui est potentiellement immortelle, autant que je la... Oh... Ah. Je veux le vase. Il me manque un vase. Où est le vase? Je veux le vase. J'ai ouvert un truc. Quoi, je sais pas, mais j'ai ouvert un truc. Ah! Oh. Il y a un sous-sol. Oh, mais c'est pire que Tomb Raider. Oh là, je vais me faire buter moi. Voilà, ils sont trop nombreux. Oh la vache. Ouyouyouyouyou. C'est ça. Ouyouyouyou. Et là, ça ouvre quelque chose ou pas? Ah non. C'est que sur le côté. Bon, ok. On peut appeler ça des gens. Faut surtout pas que je me laisse déborder. Le dernier calice, le calice des délices, à moi. Oh oh, ah ah, j'ai entendu un bruit suspect, non? Comment ça, grun, quand même. Merci SDR. J'ai tout. J'ai l'interface qui est 10-10. J'ai la totale. Oui. Je vais me faire sacrer dieu égyptien. Le vrai dieu, c'est moi ici. Comme dans Tintin, là, je viens fou. Pour Ramsès II. La 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 la. Oh, on dirait qu'il y a un truc. C'est tout? Non.
une blague. Oui, à mon avis, je pense que c'est une blague. Bref, de toute façon, je peux revenir en arrière, que je sache, alors... Oh, vos passages à la noix, vous. On est d'accord, y a rien, là. Non, y a rien. J'avais vu juste... Ah, je vais pouvoir confronter la grande ville. Ah non, c'est fermé. Non ! Je suis maudit ! Ils ont fermé derrière moi. Je verrai ici le restant de mes jours. Non. Ah, les salopions. Merde. Hein ? Hein ? Il y a un truc là. Mais je rêve. Hein. Ah, monsieur qui était là. Da. C'était quoi ce bruit? Voilà. Bonjour la compagnie. La suite est par là, pardon. Waouh. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas trucidé un bicéphale. Je ressors de la grotte par là. Stylé! Oh, j'adore! Il est midi! Bon appétit si vous passez à table. Oh, la classe! Mais cette île! Oh là là, elle est énorme! Oh, trop bien! La confrontation finale approche. Tiens, il faudra que je regarde, je sais pas, Thune Sen à mon avis c'est barré, non? Il est encore là Thune Sen? Parce que comme il est l'homme au speedrun là, je crois qu'il m'avait dit au début que le jeu avait été speedrunné en, je sais pas, en une heure machin. Enfin, je demande à voir. C'était pas une orbe par là-bas. Non, une vision qu'on a déjà faite. La 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 la. Qu'est-ce qui se passe? Oui, la belle promenade de nuit. Bonjour et bienvenue à Elsam 6. Ou 6, si ça se prononce en anglais. Je sais, alors ça vaut le coup d'être là maintenant sur la chaîne parce que j'arrive à la fin du jeu. Maintenant, c'est entre elle et moi. Le duel que vous attendez tous depuis tant d'heures de jeu arrive. Ah, Nat 6 pipi, t'as encore changé de compte. Oh là là, merci de préciser. Attendez, je réfléchis. Il y a la porte du haut du fond que j'ai pas ouverte.
Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. 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 Wow, cette ambiance de fou. Je vais écrire fin. Et là, pour le coup, c'est bon. Oh merde. Non, ne me dis pas qu'il y a une énigme. Non, ah non, c'est... Nous avons Lydia. Nous avons Duncan. Nous avons une déco de fou. Robert, le majordome. Et Byron. Ce lit, c'est la chambre à coucher de madame. I have a dream. Quoi? Je touche au portrait de Lydia, je prends feu. Non. Oh! Non. Oh! Ça génère des succubes. Je suis choqué! Ah ouais! Merci, Tunsen. 26 minutes! Ouah, comment le jeu est fumé! Moi, c'est le nombre d'heures que j'ai mis dessus, moi. 26 heures. Bonjour, Fun Fan. Attendez, je vous relis. Ah non, il y a... Enfin, oui, je sais pas. Enfin, bref. Alors, faut pas cliquer sur la vilaine Lydia, parce que sinon je prends feu. Enfin, la vilaine. Non, c'est peut-être pas de sa faute, mais... L'heure du crime, minuit. Je serai pire. Si je clique sur Byron, il se passe quoi? Bon, bref. Bon, je ne sais pas. Mais du coup, attendez, je reprendrai bien un peu de vie là. C'est un miroir ça? Attendez. Parce que la vie, je dirais pas non là. Je suis un peu faible. Je suis un petit peu à 11%. Ah, crotte! Oh, une perche de 11 kilos. Bravo! Belle prise. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est une énigme. C'est une énigme. C'est une énigme. The clock was made to slow or even reverse the aging process of a mummy. It was placed over the sarcophagus, and a few drops of the dead ruler's blood was used to activate it. But how can I use it? I'm not about to be mummified and shoved into a box. No, of course not. The clock should work for anyone who activates it, live or dead. The problem is that the effect is limited to a radius of, say, 6 feet. Marvelous. So I either lug a 200-pound artifact around or remain glued to it forever. Not necessarily. You see, the clock was built by Thoth to revive Osiris, who had been ripped to pieces in a body scattered all over Egypt by Set. He says, I know the story, get to the point. We could concentrate the power of the clock with mirrors and tune it to cover the entire island by distributing parts of your body. Are you insane? Do you think I'll allow myself to be hacked to bits to test your little hypothesis? No, of course not. It's not your actual body. We'll use symbolic objects. It's a simple ritual to transfer your essence to an inanimate form. And then I activate the clock. The island and everyone on it will join me for eternity. Do you really think it can work? What can it hurt to talk? Eh B. Oui, c'est pas idiot le coup des vases. C'est ça, ouais. Bien vu. Bien vu.
sont beaux les vases. Oh, c'est passé quelque chose. C'est passé quelque chose. Ça fait flipper. Je flippe. C'est fin de la fin. Et là, j'ai toutes les clés. Je peux ouvrir ça. Les super portes. Je peux ouvrir les super portes. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une demi-horloge. Oh. Oh. J'ai du Hanks. J'en ai plein. Oh, des vases. C'est la réserve du manoir. Oh! I, the Avatar of Set, ruler of the night, your soul belongs to me. Quoi? You. Bah, you die. Oh. Oh mon dieu, il est revenu à la vie. Time has no meaning here. You are damned for eternity. Oh, il revient toujours à la vie? Là j'ai un problème là, les enfants. Oh mon dieu. Baiser les miroirs, non? Oh oh. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah, puis il y a plein de scènes que j'ai pas déclenché. Mais le problème c'est que j'ai deux de vie là, donc ça va pas mon truc. Ok. Là j'ai un problème, j'ai une malédiction. J'ai une malédiction. Merde, pas quitté. Oh. Ok, alors on va voir les scénettes. Tess, my darling, we're not getting any younger. We will be soon. Hmm? Nothing. I really must get ready for tonight. That's what I was thinking. Maybe we could... Yes? Could what? Maybe we could get married. Could get married. Married? Why on earth would I want to get married? You said you wanted to be with me for eternity. Eternity, yes, but not as your wife. I don't belong to anyone or anything. But what about our plans? We were going to build an empire. We were going to put this place on the map. To use up my fortune funding smugglers and gangsters? No, Duncan. Be realistic. You see my smugglers so much when they got you your precious clocks or your booze for your partners. Oh, they served their purpose, but that doesn't mean I'd marry one. Like, I'm not, it's not good enough for you, is that it? Oh, come on. Tess Conway and a scheming little bootlegger. You're hilarious. You know, sometimes I think you're actually serious. Be a dear and fetch me another gin and tonic. And... I want you looking sharp tonight. Byron and I will be unveiling a little surprise. Oula, c'est horrible. What? Mais qu'est-ce qui se passe? Ok, j'ai pas de compris. Pourquoi elle agonise? Elle attend un enfant, c'est douloureux.
place my last drop of life into this vessel. Quoi? Dans le vase. Quel vase? But I will pass not into the field of reeds. My body, scattered like that of Osiris, will keep time in its place. I will wait until I am whole again. Oh, ce jeu d'acteur. Let Duncan live. But let him be cursed by the evil of death. Let him feel the power he craves until it has driven him mad. Épée. Du coup, c'est elle qui est morte? Déconne pas. Where is she, boss? I don't understand it. She was right here. You're sure she was dead? Of course she was dead. You idiot, I left my dagger right in her chest. That ain't gonna look too good. That's why we're here. What was that? I don't know. Maybe it was Tess. It came from the attic. You check it out, Mike. What is it? Ah! Okay. Je pense que lorsqu'elle est morte, comme elle a fait son rituel, ce qu'ils ont vu, eu depuis l'île, c'est quand elle est devenue psychique et qu'elle est, elle est devenue une divinité égyptienne en fait, par, le, par la magie égyptienne. Et il faut tirer sur le truc au milieu. Ah, le, la base d'artefacts, ok. Mais waouh. Bon, alors je sauvegarde là du coup, parce que boss. I am now the avatar of Set, ruler of the night. Your soul belongs to me. C'est que j'ai très peu de vie. Non, il m'a eu. Mais il faut tirer, faut vider tout le sac là, toutes les munitions. Parce que... Attendez un final plus passionnant. Ou alors il faut l'avoir à l'usure.
quand il réapparaît. Faut peut-être le tuer 10 fois de suite, je sais pas. Si c'est pas lui qui me bute. Merde, pardon. Avatar of Set, ruler of the night, your soul belongs to me. You cannot kill me, mortal. Je vais essayer de me le faire à l'usure. Voilà, il apparaît avec la magie du démon, subitement, le truc à peine agaçant. Encore, on aurait une animation comme son animation de mort, mais pour dire qu'il revient, on peut anticiper, mais là, non. Ah ! Sympa, le coup de l'orbe bleue. Tellement sympa que je sauvegarde. Je vais sauvegarder, là, cool. You die for me. Ah. Ou alors... L'alarme ultime. J'ai jamais fait usage de cette arme. C'est la plus violente. Ouf, il n'a pas aimé. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait un bruit de fou. Ah ! Il est revenu. Il est revenu, mais j'ai la puissance des Égyptiens avec moi. Vraiment étrange. C'est bizarre. À l'usure, je peux la voir, vous croyez? Je peux pas interagir. Hein. Non, je peux pas interagir avec le truc. Bon, attendez, j'ai une idée. Déjà, observons. Il n'y a pas des trucs qu'il faut tirer, là. Les miroirs ont bien une utilité. Attendez. Merde, il m'a eu le salopard. Attendez, je suis en train de cogiter, là. Je suis en train de me dire... dans les trucs là-bas loin. C'est bizarre cette histoire. Il y a bien une logique. Est-ce qu'il faut que j'interagisse avec les miroirs? Oui, il me redonne de la vie cet abruti. Ah oui, je suis pour. Je suis totalement pour parce qu'il me redonne de la vie. Non, j'interagis pas avec ça. Comment on fait? Bonjour, Fanfan. Oh putain, mais c'est le boss final, je comprends pas. Non, ça sert à rien. Comment je peux faire? Il va réapparaître, l'autre idiot.
Il y avait d'autres portes avec toutes les clés dans le manoir là. Faut peut-être que je me barre. Attendez voir. Où était l'autre porte? Merde. Ah, il est là. Oh là là. L'autre porte, elle était où? Elle était là-bas. Ah, il m'a redonné un max de vie. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très très bon. La porte... Merde. Il est de retour. Ah, il est... Ah! Est-ce qu'il y avait une porte multicolore? Et va mourir! Oh là 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 là! Le retour de la momie! Mais c'est où dans le manoir qu'il y avait une autre porte à 15 000 clés là? C'était où? Il y avait un salon à un moment donné, je sais plus où c'était. Je le fais souffrir. Je le fais mourir à chaque fois. Il révise la signification du mot douleur. Ah, je suis si proche de la fin. Si proche du but. C'était où le bordel d'homme? Je vais travailler ma mémoire. Tic. Ah bah c'était là! Quoi? Je me retrouve à 2%. Comment c'est possible? J'étais à 100% machin et puis il me refouait deux. Attendez. Oh là 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 là, l'île et ses mystères, finalement on n'en a pas fini. Ah, ça rend fou. Oh. À moi, l'Égypte. Ah, ce jeu de fou. Un calice? Qu'est-ce donc? Un artefact? Que signifie?
C'est quoi? À quoi ça sert? Oh, ne me dis pas que c'est en lien avec le boss. Oh non. Oh, ça y est, j'ai compris. Il faut péter... Oh putain. Il faut faire les 6 portes avec les 10 clés. Et en fait, c'est pour concentrer la lumière de la lune au solstice d'été et que la malédiction ait lieu. Il faut que je trouve les 6 vases et que je les pète. Enfin, les 6 miroirs. Ça y est, j'ai compris. Oh là là. On le finira pas à 13h. Je crois pas. Je crois pas, mais c'est énorme. Ce jeu est génial. Ce jeu est génial. Ce jeu est génial. Alors que je suis poursuivi par la momie. Ah là là, énorme. Trop bien fait. Voilà, il adore péter le feu. Merde, le salon où il y a l'horloge, il est où? Il y a un salon, il y a une horloge. C'est où, bordel? Ah, oh, pardon, mais... Merde, il est déjà de retour, lui. Hop, merci pour l'orbe bleu. Oui. Oui, oui, il y a une porte là. Quoi? Oula, attendez. Attendez. Je vais changer d'arme parce que je la sens pas. Oula. Il est déjà de retour, la momie? Redoutable, la momie. Oula. Non, là, je peux pas. Là, je peux pas me battre comme ça. C'est pas possible. C'est pas la bonne arme. Non, j'ai plus de munitions. Et la momie me poursuit, j'ai plus de munitions, non. Le... Non. D'ailleurs, il y a un panneau là, normalement. J'avais trouvé dans la cuisine, mais tant pis. Non, va mourir la momie. En fait, ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est pas provoquer la momie et péter les vases d'abord, mais bon. Enfin, vous me direz, il y a du challenge. Il y a du challenge. Allez, on va relever le challenge. Bref, pour ce coup. Descendu si bas en vie, moi. Oh, ça m'énerve, ça. Voilà. Oulala. Là là. Faut monter. Oh, sérieux? Oh! Ouais. Donc j'ai pété 2 dispositifs sur 6. Oh la vache, où sont les 4 autres? Grande question. Blablabla. Oh, ce jeu, il est énorme. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ah!
Bien d'accord, on a bien fouillé. Et c'est quand c'est en bas que c'est activé. Quand c'est en bas, c'est activé. Ah, il y a des munitions là. Oh, munitions, munitions, munitions. On ne gâche rien. Pas non. Merde, j'ai un cheveu de ma perruque blonde qui m'enquiquine, que j'ai dans les lunettes. Oula, une orbe rouge en plus. Bon, je progresse avec difficulté, mais je progresse. Nye. On y croit. Attends, j'ai deux sorties possibles. Oula. Merde. Cette momie à la con. Ça peut aider. Mais... Est-ce que l'autre momie va refaire son réapparition, hein? Eh oui. Elle est où la momie? Merde, m'a eu. Ah, je joue mal. Les autres portes, je sais plus où elles sont, les autres portes. Ah, oh, c'est terrible ça. Et cette momie qui me poursuit, je suis déjà allé par là, il faut que j'aille ailleurs. Ça, je veux bien, par contre. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est du très très bon, ça. Merde, où sont les autres portes? Que je pète l'artefact de la momie, là. Ah. Oh là là, de tête, je sais plus. Je sais plus, je sais plus, je sais plus. Les portes, où sont les portes? Je finis par douter de me dire qu'on finira pas le jeu aujourd'hui. Je finis par douter. Merde, il m'a buté l'autre, j'avais même pas vu. Oh!
on est si proche du grand final. Si proche. Je suis pas là où il faut être. Merde. J'ai peur ce con. Je suis en train de douter. Est-ce qu'il n'y en a pas une sur le quai de notre arrivée de porte à 12 clés? Non, je crois pas. Ah bah dabada, il m'a fait peur ce con. J'étais en train de réfléchir en plus. Ah, je tourne en rond, je deviens fou là, je sais plus. Mec qui reste dans les limbes de l'enfer. Oh là là. Ah, le truc est pas vers le bas, tu vois. J'ai de retour lui. Ouais. Je dis pas non à l'orbe, mais bon. Je ferais peut-être bien le plein de munitions là. Il reste où des munitions? Il y a des réserves près des jardins, je crois. Oh, la vitesse à laquelle la momie revient. C'est effrayant. Non, j'ai plus rien, j'ai déjà écumé tout ici. Oh la vache. La prochaine, c'est la bonne. C'est pas cool. Non mais il y a un bug là, il m'a redonné de la vie cet abruti, c'est trop fort. Ou alors j'étais à 180, je sais pas combien. Il n'y avait pas une porte comme ça au tout début avec les 12, les 10 lumières. J'ai un doute. Chante, mon ami, va mourir. Je sais plus, il y avait pas un truc dès le début. Oh, je sais plus du tout. Il y a l'étage, mais à l'étage là. Non.
Oh là 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 là. Ouais, puis il est bientôt 13h, je vais pas tarder à remonter parce que j'ai vraiment faim là. On se retrouvera dans l'après-midi pour faire du Resident Evil. Oh merde, je pensais... Franchement, j'avais le sentiment que j'allais finir maintenant. Merdoum. Alors c'est terrible, mais il faudrait que je revoie tous mes ralentis pour noter où sont les portes. Mais vous êtes sûr qu'il n'y a pas de porte là? Il n'y a pas de porte spéciale? Non. Non de non. Je pensais. Mais... Je sais pas, par la magie du démon, il est parvenu à me buter, lui, c'est nouveau. Bref. Ah, le côté là, il n'y a plus. Hein. J'ai fait tout un côté. Le côté là, ça marche encore, mais... Oh, mais... Et à distance, je peux pas les buter, les... spécial mon jeu, ouais. Mais j'y crois pas là, je deviens pessimiste. On va arrêter pour aujourd'hui. Et je vais vous donner mon sentiment, attendez. Pour faire le point, attendez. Voilà. Oui, j'ai vraiment décalé ma caméra, j'ai tout foutu en l'air. Hein. Je renonce, je suis lâche. C'est de circonstance. pour vous dire. On voit que le calice, là, le truc sacré qui permet à la momie d'avoir son pouvoir et de revenir à la vie indéfiniment, est alimenté par les 6 miroirs. J'ai bousillé 3 artefacts sur 6. Au niveau de... des portes, vous savez, à cadran, qui ont les 10 lumières, il faut les 10 clés. C'est le grand final. Il faut que je revoie tous mes ralentis, donc ça va être long, je sais pas quand je vais faire ça, que je me remémore où sont toutes les portes à cadran. J'en ai trouvé 3, il m'en manque 3 autres. Et seulement là, je pourrais détruire tous les dispositifs et liquider la momie et me barrer de l'île et victorieux. C'est dommage, hein, je pensais que ça allait être aujourd'hui le grand final, et ben non.
On y est presque, on y est presque. Mais j'ai sacrément bien progressé ce matin depuis 9h. J'ai fait quasiment 4 heures de killing time. C'est énorme. C'est énorme. Bon, cet après-midi, j'ai même plus le chat d'ailleurs. Je me suis zappé le chat, je vous lis même plus, pardon. Bonne journée Olive, ouais, tu vas bosser. Bon courage pour le boulot. Bonne journée à ce soir ou à demain. Enfin, à plus, Olive. Bon courage à toi. Merci à toi d'avoir été là. Cet après-midi, là je vais vite couper, je vais être vilain parce que j'ai faim. On fera le tableau mystère ce soir, avant le relais challenge chez FunFan. Donc, pour ceux qui veulent que le tableau mystère, oserais-je me tourner vers Tuitsen? On le fera à 20h45 ce soir. Cet après-midi, je repense sur du Resident Evil Zero. Là, j'ai envie de dire normalement, on le finit. Parce que là, on est à la partie laboratoire. Au 36e dessous, enfin 32e sous-sol. Je joue avec ma patounette, je suis en train de la déformer là, je suis déchaîné. Ah, Resident Evil Zero, et puis j'improviserai dans l'après-midi, en fonction de l'heure qu'il est. Je ferai sûrement du Sonic, je pense, émulateur Mega Drive. Je ferai du Sonic, et puis peut-être du Street of Rage, voilà. Bref, merci à vous d'avoir regardé. Je vous regarde rapidement dans le chat si j'ai rien loupé. Non, j'ai rien loupé d'important. Donc, on se retrouve à 14h ou à partir de 14h. Je me laisse le temps de souffler. Je me demande d'ailleurs, je vais me faire plaisir à midi, je vais me faire un plat sophistiqué. Donc, je vais prendre 1 heure pour cuisiner, ça va me faire du bien. Merci à vous d'avoir été là. Merci à toutes et tous. J'ai même pas ouvert le logiciel des stats. Je ne sais pas si on m'a envoyé des trucs, machin. Enfin, merci d'avoir été là, bisous tout plein. Et à partir de 14h, voilà, tout à l'heure. Voilà. Je vais être vilain, je regarde même pas s'il y a un raid à faire, je coupe direct. À tout à l'heure. Allez, bisous, bon app. Merci pour la modération, fun fan. Ciao, ciao. À 14h et quelques. Zou, je coupe. C'était bien.